Buenas noches, señoras. Buenas noches, señores. Perdónenme si mi voz les llega un poco emocionada, pero es que hacía mucho tiempo que no estaba en televisión y siempre es emocionante volver de nuevo a sus casas. Septembre 1988. Julio Iglesias entre sur la scène du Camp Nou à Barcelone. Le stade est plein à craquer. 100 000 personnes, conquises, avant même que ça ne commence. Julio Iglesias est un crooner, version latine, une idole. 300 millions d'albums, chantés en 14 langues, 2600 disques d'or ou de platine, 5 décennies de tournées, des récompenses et des fans par milliers. Voix de velours et regard de braise, l'Espagnol a séduit la planète en lui murmurant des mots doux et est devenu l'ambassadeur idéal de son pays natal. España es mi meta y mi orgullo y mi fuerza. Hasta mi lingüística, que es lo más importante, lo que genera mi música y genera mis palabras. España es todo. Lo que me ha hecho, lo que me ha hecho crecer, lo que me ha hecho salir. Armé de son talent et de son charme, Julio Iglesias a créé sa légende. L'histoire d'un jeune espagnol parti à la conquête du monde. Un conquistador. Otros morirán, unos que ríen, otros llorarán. La vida es igual, es la única canción en mi vida que he escrito para mí. Porque es la única canción que yo nunca supe que iba a tener fuerza pública o repercusión pública. Entonces la escribí para mí. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Era una persona que interesadísima en el deporte, interesada en el fútbol, por supuesto. Y en los estudios, yo estudiaba leyes y era mi interés fundamental. Mi sueño, más que ser abogado, es prepararme la carrera de derechos para después hacer el cuerpo diplomático. Né le 23 septembre 1943 dans une famille bourgeoise et franquiste, Julio Iglesias est un étudiant classique et le gardien de l'équipe amateur du Real Madrid. Le jeune homme rêve de voyage et de célébrité. Mais la veille de ses 20 ans, il fracasse sa voiture dans un virage pris trop vite et fait basculer son destin. Une compression de la moelle épinière le laisse paralysé, avec peu d'espoir de récupérer sa mobilité. Yo estuve durante un año y medio, casi dos años, en un proceso de recuperación. Los primeros tres meses fueron angustiosos porque apenas podía mover los dedos de los pies. Y claro, eso me produjo a mí una gran tragedia, porque yo era una persona muy activa. Mi padre estuvo un año al pie de mi cama sin ir a cirugía, sin operar. Y mi madre pasó el año entero a mi lado también, no se movieron ni cinco minutos de mi mirada, de mis ojos, y me cuidaron, eso no lo olvido yo nunca. Les liens noués entre Julio et son père médecin durant cette épreuve seront indéfectibles. Contre toute attente et grâce à une volonté sans faille, le jeune homme se remet peu à peu debout. La rééducation est difficile. Pour le divertir et l'aider à retrouver la souplesse de ses doigts, un infirmier lui offre une guitare et, sans le savoir, une carrière. Tenía una guitarra. Tenía una ilusión. Empiezo a escribir canciones a raíz de ese accidente. Empiezo, vamos, a despertar la música, que para mí era una cosa absolutamente subconsciente. La música surgió por una circunstancia espontánea, que fue ese accidente. Y yo aprendí a los 20 años la necesidad imperiosa de dar un paso, ¿no? Y eso me ha seguido toda mi vida.
y pienso que ese background es lo que me ha hecho más creativo. Si en algo soy creativo, eso me ha ayudado mucho. Du fond de son lit de convalescent, il écrit sa première chanson, réussit à la vendre à une maison de disques, puis postule au festival de Benidorm. Mais dans l'Espagne du général Franco, la censure est sévère et arbitraire. Sans soutien, difficile d'en franchir les foudres. Les relations de son père avec le régime l'y aident. Grâce à elle, à 24 ans, il est candidat au concours de chansons le plus couru de la péninsule. Dans les coulisses, il est paralysé par le trac. Il faut le pousser sur scène. Là, perdu sans sa guitare, il finit par entonner timidement sa chanson. Malgré tout, le charme agit et Rulio remporte le concours. Ce 17 juillet 1968 est la naissance d'un chanteur. La vida sigue igual restera son hymne, celui qu'il jouera dans tous ses concerts. A partir de ahí, empecé a escribir canciones pensando si van a gustar a la gente también como la vida sigue igual. Luego ya ahí prostituí un poco lo que era mi emoción diaria, ¿no? Julio Iglesias, una voz joven, creador y autor de sus canciones. Julio Iglesias, además de ser un muchacho simpático que cae bien a todo el mundo, a ustedes, a nosotros, además de salir en las portadas de las revistas, además de estar a punto de estrenarse su película, es un gran profesional y va a ir pronto a San Remo y quizá dentro de poco también nos dé una buena e importante noticia. La bonne nouvelle est qu'il sort son premier album, Yo Canto. Déterminé, il travaille jour et nuit et se donne 2 ou 3 ans. Si ça ne fonctionne pas, il retournera à ses études. Le chanteur prend son envol dans une Espagne dont le régime dictatorial s'assouplit légèrement depuis quelques années, afin d'attirer capitaux et touristes. La scène musicale profite de cette atmosphère un peu plus tolérante. Une pop espagnole émerge. Dans le sillage du duo dynamico de Ramón Arcusa et Manuel de la Calva, Rulio choisit la voix de la chanson légère qui plaît aux jeunes sans déplaire au régime. En 1970, un ancien camarade de classe est appelé pour le manager. Alfredo Fraile va devenir son ombre. Les deux hommes scellent leur amitié lors d'une première tournée dans la péninsule, qu'ils sillonnent en bus dans ses moindres recoins. 41 concerts, 41 villes en 30 jours. L'Espagne est conquise. L'Europe est la suivante sur la liste. Le concours de l'Eurovision et ses millions de téléspectateurs en est la porte d'entrée évidente. Esta noche quisiera dar las gracias a Televisión Española que tanto me ha ayudado, al jurado que con sus votos clasificó Wendolin y me abrió el camino para Holanda. Y al murmullo del viento le he oído decir. A Amsterdam, l'Espagnol n'obtient que la 4e place. Mais il est vainqueur à l'applaudimètre. Le public européen vient de découvrir un visage, une voix et un style. Yo recuerdo cuando era joven, lo recuerdo con mucho cariño, que mi madre me ponía una corbata para ir a misa. Y a mí me hacía mucha ilusión la corbata, me gustaba, siempre me gustaba mucho la corbata. Nunca me la he quitado. Ahora, yo empecé a usar la corbata porque me sentía cómodo. Mi imagen se creó con corbata. Ahora, si hay que salir al escenario, saldré siempre con corbata, no me la quitaré nunca. Porque es mi uniforme. L'apparence est fondamentale, il la soignera toujours. Sport quotidien pour maintenir son dos et sa ligne, costume sur mesure et sourire éclatant. L'arte de cantar no es tan importante como el arte de encantar, es evidente. Todo lo que es lógico y todo lo que es medido se puede realizar y se puede aprender. Lo que no se puede aprender es lo que es carismático, lo que es de nacimiento.
Son charme est un don qu'il sublime. Personne ne lui résiste. Les filles, surtout, sont folles de lui. Il en joue. Il adore ça. Mais très vite, les fans déchantent. Le cœur tant convoité a été capturé. Elle s'appelle Isabelle Pressler. Et le 20 janvier 1971, Rulio lui passe la bague au doigt. Une centaine de journalistes couvrent l'événement. Célibataire coureur de jupons, père de famille irréprochable, le chanteur fait vendre et joue le jeu. Yo tengo una complicidad total con la prensa. Es decir, si hay que ir a la cárcel, vamos a ir los dos. Es un matrimonio donde el uno sabe todos los secretos del otro. Yo soy muy agradecido a la prensa, de verdad. A toda la prensa en general, ¿eh? No hay prensa en especial. Buena prensa, mala prensa, críticas, elogios, todo me ha servido. Les journalistes ne sont pas toujours tendres. Si rupeux, sans voix, ringard, les critiques seront continuelles tout au long de sa carrière. À ses débuts, beaucoup ne lui prédisent que peu d'avenir, le trouvant trop bourgeois, trop lisse et trop proche du régime. Il est vrai qu'il profite de l'œil bienveillant des franquistes. Populaire, il est pour eux l'image parfaite d'une Espagne jeune, bien élevée et heureuse, qui pourrait laisser croire à une ouverture d'esprit de la dictature. Il est ainsi autorisé à voyager. Cette liberté rare et son absence d'engagement politique lui permettent de commencer à s'immiscer au milieu des grands de ce monde. Eu quero che tanto e ainda non lo sabe. Eu quero che tanto terra do meu pai. Es la tierra de mi padre, la tierra de mis abuelos, y es un homenaje que hice yo a esa tierra que además yo quiero muchísimo porque soy casi gallego, diría yo que muy gallego. Un canto acaricia. Un canto a Galicia est une chanson très personnelle, à laquelle personne ne croit. C'est pourtant le tube qui va l'installer en Europe. Das wird nie vorbei sein, auch wenn wir uns trennen. L'Allemagne a sa version, une attention particulière et stratégique. Il systématisera les adaptations de ses chansons quelques années plus tard. Quant à la France, la légende dit que le standard de RTL a failli exploser après la diffusion du morceau. En novembre 1975, il retrouve le petit écran espagnol dans un programme de variété conçu pour lui. Quelques jours plus tôt, le pays est entré dans une nouvelle ère. Le général Franco est mort, mettant fin à 39 ans de dictature et de répression. Le roi Juan Carlos, maintenant à la tête du pays, engage la transition démocratique. Le chanteur semble s'adapter aussitôt à ce renouveau. Mise en scène pop, tube à la chaîne et vedettes internationales reçues dans une ambiance décontractée. Qui ne connaît pas Johnny Hallyday? Yo. Oh, tu peux. Non, tu connais. Mais nous aussi, nous te connaissons, Johnny. Te connaissons, además, très bien, mejor de lo que tu piensas. Comme noche, comme sueño. Son los ojos negros de mi amor. Manuela. La 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 la. Manuela. Rulio en veut toujours plus et s'y attelle. Lui qui n'aime pas l'avion, y passe sa vie. Le temps de remplir l'Olympia 4 soirs d'affilée et le Madison Square Garden en 24 heures, un exploit pour un chanteur hispanique. Il reprend son offensive de charme par petit écran interposé. Objectif, l'Amérique du Sud et le Pacifique. The hills are young, nice con ma buja. The hills are young, hangan ma matai.
La promotion est un art qu'il maîtrise et réinvente, recommençant de zéro dans chaque pays qu'il visite. Efficace. No hay mayor acercamiento y mayor hilo entre dos seres humanos que los que existen entre Hispanoamérica y España. L'Amérique du Sud l'adule. Il y a lancé sa carrière internationale. En 1977, il bat tous les records dans le Stade National de Santiago du Chili, où l'accueille plus de 100 000 fans galvanisés. Ce jour-là, son père lui fait la surprise de monter sur scène. Jamás en mi vida olvidaré este día en Santiago de Chile. Quiero que tú me acompañes, mujer. Mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, querido, mis versos de ayer. Quiero que una vez que empieza la música, una vez que sientes el calor de la gente, cualquier estado de amor es inferior al calor de ellos, al calor del público. Es decir, no hay mejor cura en una emoción personal que el cariño de muchas gentes en el escenario. Y eso me cura a mí todos los días. Por eso canto. Et peu lui importe où il chante. Dans ce Chili dirigé d'une main de fer par le général Pinochet, ce stade a été une prison et un centre de torture. Yo canto a los pueblos. He cantado a todos. He cantado en Chile en épocas fuertes y no estoy arrepentido. ¿Por qué yo voy a limitarme? Yo y muchos más. No creo que ello sea el baluarte número uno. Todos han cantado. Ni regret ni culpabilité. Le public est la réussite avant tout. Le chanteur est opportuniste. Les tournées internationales sont aussi l'occasion de nouer des relations. Tous, dictateurs ou non, lui ouvrent leurs portes. Il faut dire qu'il a cet avantage inégalable de s'en tenir à une neutralité de diplomate toujours utile. Le 15 juin 1977 a lieu la première soirée électorale depuis 1936 en Espagne. Hoy a ustedes y a nosotros nos ha tocado vivir un momento realmente trascendental. Le pays vote pour élire une assemblée qui posera les bases de la nouvelle démocratie. Señores diputados, señores senadores. Deux clans s'opposent, les conservateurs et les modernes. Rulio parle aux deux, aux jeunes et aux vieux. Sans prendre parti, il s'affirme patriote et démocrate. Hoy ha sido un día de concordia para todos nosotros. Cada uno ha votado por su ideal. Ojalá que de este ideal salgamos ganando todos los españoles. Decirles que cuando escribí esta canción... gracias. Me ha salido bien, ¿eh? La he estado apuntando todo el día. Me ha dicho bien. Il est l'invité de marque de cette soirée, qui se place plus sous le signe du divertissement que de l'information. Il faut être aimable, léger, ne surtout pas attiser les divisions. Le chanteur, qui s'épanouit dans la démocratie naissante, tient son rôle à la perfection. Ustedes no se van a creer que voy a hacer un discurso político ahora, ¿verdad? ¿Eh? Ya estarán hartos de discurso. El problema es el siguiente. Ustedes saben que yo casi siempre escribo mis canciones. He encargado a un par de amigos que ustedes conocen muy bien, a Manolo y Ramón, el dúo dinámico, que me escribieran una canción. Una canción que hablara un poquito de mí. Hay cosas que son verdad y cosas que son mentira. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor. Truand ou seigneur, Rulio aime entretenir le doute. Ses chansons sont autobiographiques, dit-il. Il projette sa vie dans ses paroles, donne le sentiment de se livrer intimement, mais ne le fait jamais vraiment. Les mots, qu'ils soient de lui ou non, parlent simplement d'amour et de sentiments. Son talent le plus grand est sans doute là, savoir transmettre des émotions. Il envoûte, les femmes surtout. Me encanta las mujeres. Yo creo mucho en la relación hombre-mujer. Necesito mucho su presencia. Es un gran estímulo para mí. Eso es muy hispánico, por cierto. Me gusta más el cariño y la ternura de una mujer que nada. Y necesito un contacto físico, y es evidente, que me haga sentirme viril. Es una cosa que es muy complicada de explicar públicamente, pero confieso que me gustan, que me encantan las mujeres. Pero de una manera racional y de una manera sincera y confesable, además. Rulio aime Isabelle, sa femme, sincèrement. Mais en 1978, elle est lassée qu'il aime aussi les autres. Le succès et les tournées multiplient les occasions d'être absent et volage. Pour Rulio, l'infidélité est inhérente au mariage. Isabelle doit comprendre et ne pas sortir sans lui, car il est jaloux, extrêmement. Rulio est un macho ordinaire, comme son père. Ce n'est pas la star qu'aime Isabelle, mais l'homme. Or, la star, en cette fin des années 70, a pris le dessus. Elle le quitte. Alors que la carrière du chanteur s'élance vers les sommets, son rêve de famille idéale s'effondre. Las heridas sentimentales, en realidad, la sensación de fracaso familiar es una sensación de fracaso que perdura en mi alma, por supuesto, pero nada más que esa sensación de fracaso. Le chanteur soigne sa gueule de bois sentimentale par le travail. Il passe 9 mois par an enfermé dans son studio et participe à toutes les étapes de la création. Entre modernité et tradition, il sait sentir l'époque. Ramon Arcusa, du duo Dynamico, l'a rejoint à la production. La touche pop qu'il donne aux ballades du crooner est décisive. À mes 33 ans, le premier album né de leur association qui va durer plus de 20 ans fait passer au chanteur le cap des 35 millions d'albums vendus dans le monde. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous des âmes. Je chante en français, bien sûr en espagnol, je chante en italien, je chante en portugais, je chante en allemand, je chante en anglais, je chante en japonais. Si sentiamo per questioni d'interesse, per parlare del futuro dei bambini. Ma le nostre incomprensioni sono le stesse, non possiamo star vicini. Adesso vivi nel mondo, non vivi veramente da nessuna parte, no? Vivi in tutto il mondo. Sì. Però sei spagnolo. Sì, mi sento da qui, come dice sempre, da fino ai capelli. Sì? Da fino ai capelli, sì, 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 sono spagnolo. Dans chaque pays qu'il visite, l'espagnol devient patrimoine national. Il enregistrera dans 14 langues différentes au long de sa carrière. En France, comme partout, les émissions de télévision se l'arrachent. J'ai connu peu de gens qui avaient des voix de soleil. Il y a eu Mariano, qui avait une voix de soleil. Il y avait Dario Moreno, qui avait une voix de soleil. J'ai oublié de dire hier que mon père avait une voix de soleil. Et il est le quatrième, non, pas en ordre, mais il est le quatrième à avoir une voix de soleil. Et vous, c'est rare. Moi, j'ai une voix de brouillard, moi. Ça veut pas dire qu'il n'est pas bien, mais c'est une voix de brouillard.
Être chanteur de charme international, est-ce que c'est pas un petit peu pesant? Non du tout, j'adore ça. Sinon, je ferais un autre métier. Mais qu'est-ce que c'est un chanteur de charme? Je sais pas, on dit que vous plaisez beaucoup aux femmes. Moi? Oui. Et que vous chantez c'est la pour première fois, c'est la première fois que j'entends ça dans ma vie. Ah bon? Alors vous vous définissez comment? Je suis un chanteur. Tactile, le bisou facile, le bel Hidalgo joue l'innocent. Et pourtant, sa vie amoureuse est tumultueuse. Toujours une femme à son bras, il laisse facilement courir les rumeurs susceptibles d'entretenir sa légende de sex-symbole. Je ne connaissais pas vos chansons, je les ai écoutées et je me suis dit que vous jouiez un double jeu. Parce que sur scène, vous avez l'air d'un conquistador, vous avez des mouvements provocants avec les lèvres. Et quand on écoute les paroles, vous êtes une victime. Les femmes s'en vont, elles vous laissent, vous leur dites adieu, moi je suis fidèle, toi tu n'es pas fidèle. Et dans le fond, vous donnez aux femmes qui vous écoutent l'envie de vous consoler, non? Dans l'amour, il y a toujours un côté de victime. Oui, mais vous êtes toujours la victime. Oh, pas toujours. Beaucoup dans les chansons. Oui, toujours. Oui. Toujours. Alors il faut changer. Il faut changer. Rulio ne changera rien. L'amour est et restera son fond de commerce. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté des romances, qui t'a inventé des dimanches, qui t'a fait voyager. En ce début des années 80, il est le maître du jeu. Chansons, récompenses et succès s'accumulent. 14 albums depuis Benidorm, des tubes jusqu'en Asie ou au Brésil, et des concerts philanthropiques en Égypte, à Majorque ou Monaco, qui lui permettent de rencontrer le roi Juan Carlos et la reine Sofia, la princesse Grace ou Nancy Reagan, alors première dame des États-Unis. La semana pasada, el más internacional de nuestros cantantes, Julio Iglesias, estuvo en París, donde es una figura indiscutible. Julio, ¿qué pasa con los artistas españoles? ¿Qué os pasa que siempre tenéis que salir al extranjero para triunfar, para ser reconocidos? No pasa nada, ¿no? Que el mundo es muy grande y hay que cantar por todos lados. Tengo tantas cosas que hacer, no puedo dejar en el camino una cosa por estar metido siempre en mi país. Ses compatriotes, fiers de lui, le considèrent comme un grand d'Espagne, à l'instar de Manolete ou de Picasso. Pourtant, ils le trouveront toujours loin d'eux. C'est vrai que le chanteur a beau l'aimer plus que tout, son pays est beaucoup trop petit pour son ambition. Es efectivo que me quieren en muchos países. Ahora, super, 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 superstar, no soy. No soy, pero lo voy a ser. Y es una modestia, es decir, lo voy a ser. Voy a intentarlo ser, que es lo mejor. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Le chanteur a le monde en ligne de mire. Les États-Unis, surtout, manquent encore à son palmarès. En 1981, il décide de s'installer à Miami, la Latina, ville stratégiquement située pour rayonner. Le challenge est énorme. Il a signé avec CBS le plus gros contrat jamais conclu par un chanteur espagnol avec une compagnie américaine. Il se prépare, tel un athlète, à affronter le marché très fermé de la musique anglo-saxonne. Il s'imprègne de la langue, des us et des coutumes, mais sans jamais renoncer à ses racines. Vivo españolísimamente rodeado, que es lo que quiero señalar en este tema. Hasta el punto de que si no fuera por ese entorno, y eso que mi ambición es muy grande, yo seguramente no resistiría vivir en un país extraño. Que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estará? Lo español está en el alma de todo el mundo. Somos un país con unos grandes atractivos para los demás países. Y no, a mí no me gusta ningún trabajo, todo lo contrario. Es un honor españolear todo el mundo. Pour Le Monde, le chanteur romantique incarne une Espagne idéalisée, joyeuse et bronzée toute l'année, bien loin de l'agitation et des divisions qui l'animent. Le pays est sous tension.
L'économie est exsangue. Les résistants à la démocratie sont nombreux et les indépendantistes basques multiplient les attentats. Le 29 décembre 1981, Rulio est durement ramené à la réalité de son pays. À Madrid, la disparition du docteur Iglesias, le père du célèbre chanteur, reste encore une énigme. Silence et prudence de la part de la famille, discrétion la plus totale de la part de la police, seule la radio espagnole indiquait que la rançon demandée s'élèverait à plus de 55 millions de francs. C'est le choc. Alors que son frère rentre immédiatement à Madrid, le chanteur reste à Miami pour des raisons de sécurité. Après 20 jours d'angoisse intense, le docteur Iglesias est libéré, sain et sauf. Aucune rançon n'a été versée et le commando de l'OTA est arrêté. La famille se rassemble à Miami. Les enfants vont s'y installer. Lui et son père seront quelque temps sous protection policière. Le prix de la réussite est élevé. Deux ans plus tard, alors que la folie de la Movida fait trembler les salles madrilènes, la star termine sa tournée mondiale dans la capitale espagnole. Le chanteur installe son show grandiose dans le stade Bernabéu, dont il foulait la pelouse 20 ans plus tôt. Depuis sa dernière venue, l'Espagne a changé. Cela fait un an qu'elle est dirigée par Felipe González, un jeune homme moderne et socialiste. Es un hombre entrañable y político además. Me gustó mucho la figura de Felipe González, me gustó mucho su carisma, me gustó su honestidad, me gustó su matrimonio. Le chanteur est officiellement reçu par le Premier ministre et par le roi. L'État espagnol, alors peu présent sur la scène internationale, ne pouvait rêver meilleur ambassadeur. J'ai une obligation comme espagnol de défendre toujours le gouvernement choisi pour le peuple. Parce qu'on est dans un pays démocrate et moi je suis d'accord pour défendre les intérêts de mon pays. Et les intérêts de votre pays, c'est la chanson aussi. Très important ça. D'ailleurs, c'est la seule chose que je fais. À domicile, Rulio donne tout et met tout le monde d'accord. Le concert de Madrid est historique. This is his first, I think, network television appearance in the United States, and we are very, very delighted he's here. Would you welcome, please? This is his latest album, Julio Iglesias Momentos. Aquí está Julio. En 1983, il se lance enfin à l'assaut du Nouveau Monde. When I was young, I'd watch the movies on the screen. Why would you be nervous coming out here? When you wait so much for something, you just get very, very nervous. And I can tell you, it's not a question, and I said that. Just to say something, no, I'm nervous. How do you feel now? I feel good. ¿Está bien ahora? I feel good. Never and never, forever and never, you'll be the one that shines on me like the morning sun. Which is very, very difficult for me to be part of the American people means to try and to have the same feelings in music. We sing a little, you know, and the Americans are another wonderful style. And it's very difficult really to go in. And the language barrier is nothing. They all get, those ladies out there get the message, the same message they get in Paris. The women go out of their mind, Julio. Les Américaines découvrent son charme exotique. Well, I don't know what he's saying, but I love the way he says it. Et la presse ne tarit pas d'éloges. La campagne de lancement est un matraquage. L'Espagnol place ses pions. Invité à chanter pour l'anniversaire de son idole, Frank Sinatra, il est adoubé par le maître. C'est la consécration. Au fil des ans et dans toutes les langues, Rulio continue de remplir son carnet d'adresses où se côtoient people et politiques. Son réseau s'élargit. On le dit plus vaste que celui de Juan Carlos.
Il les connaît toutes et tous. Des dieux du foot à celui des arènes, de Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, à Anwar el-Sadat, président d'Égypte. Sa notoriété attire, son charisme est imparable. Il dîne à toutes les tables. Au printemps 1984, il est opportunément choisi par le président Reagan pour chanter lors de la visite officielle du président François Mitterrand. Monsieur le président, Mrs. Reagan, Monsieur le président, Madame Mitterrand, all of you, and it's very big honor for me to be tonight, special night in the White House. Grâce à lui, l'Espagne s'invite à la rencontre franco-américaine. Julio Iglesias. Europe has been sharing him with the United States, and tonight he's been sharing of his great talent and that of all of his wonderful company with us. And we're truly grateful. We appreciate it very much. Julio vient d'avoir 40 ans. Il est toujours au bon endroit, au bon moment. En 1984, le crooner latino sort son premier album en anglais. Des duos avec des piliers de la musique américaine. Les Beach Boys ou l'icône de la musique pop Diana Ross. Un énorme coup médiatique. Mais le couple qui va définitivement l'implanter outre-Atlantique, c'est celui qu'il forme avec le chanteur de country, Willie Nelson. Cette association semble improbable. Elle va pourtant être validée par des millions de fans à travers le monde, valant aux deux hommes nominations, distinctions et disques métalliques de toutes les couleurs. Les Européens, on a toujours une barrière. Si on ne chante pas en anglais, on s'arrête dans nos frontières. Et on s'arrête vraiment. Parce que de temps en temps, on a la chance d'avoir une chanson qui monte, mais une chanson. La reconnaissance artistique de quelqu'un qui chante seulement dans une langue, qui ne soit pas l'anglais, c'est très difficile dans un chanteur. Definidas, ambicioso, tenaz y aún con capacidad para el asombro, tan lúcido como para ser escéptico, cerebral y sensible, un triunfador que sabe lo que cuesta hacerse perdonar el triunfo, un español en la cumbre de la popularidad mundial. Julio devient le phénomène Iglesias. Il vend plus de disques que Michael Jackson au Brésil ou que les Beatles au Japon. Les fan clubs se multiplient. Il pose son étoile sur le Walk of Fame et signe un énorme contrat avec Coca-Cola. Cet éxito se puede acumular después de ya dos generaciones. Es el resultado de una disciplina y un trabajo continuo. Físicamente soy una persona llena de salud, hago una vida muy disciplinada. Soy un gran antidrogadicto, como se dice en inglés, soy una persona que no necesito ningún estímulo vital para sobrevivir y amo profundísimamente mi vida. Julio réinvente la définition du Latin Lover. En devient l'archétype, le cliché. Il est la virilité face au monde androgyne de la pop des années 80. Une image minutieusement fabriquée et totalement assumée. Je préfère les droits, les côtés droits que les gauches. Alors je fais ma promotion avec les droits. Je vends beaucoup plus de disques avec ça. Le chanteur a le sens du détail. Rien ne lui échappe. Exigeant pour lui-même, comme pour les autres. You know what's happening? Because nobody listens when you're talking about here. Even Dan, I'm talking to Dan here.
and he was not listening to me. This is not power sound. This is like a ship. Es evidente que ni soy un santo, ni soy tan bueno como piensan. Soy una persona cargada de defectos, de complejos, muy problemática, depresiva, y todas esas cosas juntas me dan creatividad y me hacen un ser humano creativo. De tanto correr por la vida sin freno. Ses doutes sont permanents, son besoin perpétuel de reconnaissance envahissant. En période de crise, les douleurs de l'accident reviennent. La star peut devenir irascible, être tyrannique. En 1985, à la fin de la tournée américaine, et après 15 ans de complicité, Alfredo Fraile craque et quitte le navire, laissant Julio à sa solitude et sa déprime. No he conocido a nadie querido que no sea vulnerable. Más queridos, más vulnerables. Más éxito, más vulnerabilidad. Siempre. Un jour que tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu commences à acheter les choses que tu rêves. Et une fois que tu sais que tu peux acheter les rêves, c'est fini. Parce que ce qui est très intéressant, c'est pas acheter les rêves. Pas pouvoir acheter le rêve. Parce que c'est la seule façon de continuer à rêver. Avec sa lucidité habituelle, la star regarde sa réussite et se cherche de nouveaux objectifs. Plus qu'hier, moins que demain, est son mantra. My love is warmer than a smile. My love. À la fin des années 80, Stevie Wonder, le pape de la pop américaine, lui écrit My Love, un duo. Let my love shine throughout the world. To every mountain top and steeple. De Placido Domingo à Françoise Hardy, de Pedro Vargas à Sting, en passant par Amalia Rodriguez ou Charles Aznavour, et bien sûr Frank Sinatra, le crooner espagnol a ponctué sa carrière de collaboration avec les grandes voix de la chanson. La sienne est parfaitement maîtrisée, une technique implacable qui lui permet beaucoup. Y eso es una emoción indescriptible. Los duetos, cuando son muy emocionales, son increíbles. Et c'est sur scène qu'il est le meilleur, une aisance que certains qualifient de féline. Les yeux souvent fermés, la main effleure le ventre. Une position héritée des débuts, manière d'assurer cet équilibre qu'il a toujours eu peur de perdre depuis l'accident. Rentrer en scène, c'est un exercice de l'âme, du corps, de la tête, de le sang, de l'esprit, tout ensemble. C'était... C'est pas seulement que la lumière s'ouvre et il y a les gens qui sont là. C'est quelque chose qui te vitalise. Le sang dans la scène coule, il monte, il te sent tout, tu sens la tête, tu sens tout qui brille. Et ça, c'est quelque chose qui te donne la vie. Le public est sa drogue. Il le laisse venir à lui, lui donne ce qu'il veut, de l'amour. Chanteur alors le plus populaire au monde, Julio est un modèle, un fantasme, une idole. Celui qui mondialise la musique latino et la culture méditerranéenne. Julio no solamente canta. Julio tiene que ponerse de pie porque es español. Y porque gracias a él se habla de España en el mundo entero. Y es un orgullo para nosotros los españoles. En 1988, sa gigantesque tournée s'achève dans la péninsule. Il y fête ses 20 ans de carrière et partage avec la planète ce lien fusionnel qui l'unit à son pays. Le concert de Barcelone est retransmis en direct dans 25 pays, dont la Chine. L'Espagnol est un précurseur.
le gouvernement chinois, encore peu ouvert à la culture étrangère, l'a officiellement invité sur le plateau de la télévision nationale. Une première pour un chanteur occidental, comme pour les 400 millions de téléspectateurs. Son empire s'étend, sa fortune également. Il sait faire fructifier ses biens. Il optimise ses impôts dans des paradis fiscaux et multiplie les investissements, quitte à se retrouver impliqué dans des projets immobiliers spéculatifs un peu douteux, dont il sortira toujours sans tache. Altruiste, la star donne aussi de son temps et de son image, reverse le bénéfice de nombre de ses concerts à des causes humanitaires. Truand et seigneur. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. I want to try to understand a new generation of people, you know. I want to try with my music to reach them without forgetting them. I adore what I built through the years with the other people. Yeah. I respect very much my people and I love them like crazy. But I try to reach these kids too. And if I don't approach them, they will never approach me until late. It will be too late. Il a le monde, il veut aussi le temps. Conquérir cette jeunesse, parfois difficile à séduire. Profitant des portes ouvertes par son père à la musique latine et héritant d'un certain talent pour les mélodies entêtantes, Enrique Iglesias se lance dans la chanson. Il devient rapidement aussi star que l'idole. Difficile pour l'ego du patriarche. You know, when they tell you that your son is against you in competition, you feel a little like with your brains in another place because I adore my kids. Gracias a todas las gentes que han votado. And more than anything, to tell my son and my new sons that as much I will be on a stage, as much I will compete with them. Thank you so much. Le chanteur voit la concurrence plus que la dynastie. Les rapports avec sa descendance vont être compliqués pendant plusieurs années. I prefer what happened to me for 2 hours on a stage with the people than what happened with me in my emotional personal life. I mean, if I had to give up something, I give up my emotional life. Malgré cette passion dévorante pour son travail, avec le temps, les tensions s'apaisent. Miranda est entrée dans sa vie quelques années plus tôt. Elle a 20 ans de moins que lui. Ils auront 5 enfants. Le chanteur mettra un peu de temps à l'admettre et à lui dire « Elle est la femme de sa vie ». Et sans femme à ses côtés, Julio ne serait plus Julio. Yo pienso que he aprendido mucho más de las mujeres que de los hombres, pero mil veces más. Seguro porque tenía una relación más afín con ellas, porque he buscado mucho más su amistad, porque estoy rodeado en mi oficina, en mi vida de mujeres, porque siempre he creído en mayor generosidad en la mujer que en el hombre. Visito que puso madre, cielo estera y velador, un teléfono que contesta y una vitrola que llora. Ces relations couvrent maintenant la planète entière, sans restriction d'idéologie politique. Le réseau s'auto-alimente, sa compagnie est recherchée. Toda esa acumulación de experiencias, de ojos, de miradas, de conversaciones a través de mi vida han sido importantísimas porque he aprendido a conocer mucho más profundamente a las gentes y a la gente a lo mejor que hacen historia. Ces liens tissés avec les puissants, il n'hésite pas à les mettre au service de son pays. Depuis le retour de la démocratie en Espagne, le chanteur a soutenu tous ses gouvernements. En 2004, le pays est boudé par les Américains depuis qu'il a annoncé le retrait de ses troupes en Irak. Pepe Bono, ministre de la Défense du gouvernement Zapatero, appelle la star à l'aide. Me llamó Pepe Bono, me dice Julio, si me puedes ayudar
Tú conoces a Rumsfeld. Yo no conocía a Rumsfeld, al ministro de la Defensa americano. Pero sí conocía a Henry Kissinger, entonces lo llamé. Kissinger fue el secretario de Estado y les dije que iba a ir nuestro ministro de Defensa al Pentágono para entrevistarse con Rumsfeld, que les recibiera. Grâce à son intervention, les relations diplomatiques entre les deux pays sont rétablies. Que no crean que cuando yo llamo a este problema lo hago y no, tengo que arreglar. No, no. Traté, de, si podía hacerlo, de poner un poquito de vaselina entre dos gobiernos, nada más. Contre toute attente, le chanteur a trouvé son rôle dans le corps diplomatique auquel il se destinait avant l'accident. Espagnol d'abord, crooner ou ambassadeur, il a inventé sa place sur les scènes politiques et artistiques internationales. Il a conquis le monde. Après 50 ans de chansons d'amour fredonnées aux oreilles de la planète, il a reçu un Grammy pour l'ensemble de sa carrière. Récompense ultime qui inscrit une œuvre dans l'histoire de la musique et en sonne souvent le glas. Julio, lui, n'a pas fini d'écrire sa légende. Mi meta es el poder cantar largo y tendido, es decir, el poder vivir artísticamente hasta que mi muerte física, me llegue. Es decir, yo quiero morirme cantando, ¿no?